Première sortie publique du nouveau Premier ministre, le Conseil général de la Nièvre pour l'élection du président. L'occasion pour le maire de Nevers de préciser ses futures priorités à la tête du gouvernement. Le président de la République m'avait fixé plusieurs objectifs. Consolider le redressement de notre économie dans un esprit de justice sociale. Assurer la sécurité des Français, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Concrétiser la nouvelle étape de la construction européenne par l'approbation rapide des accords historiques de Maastricht. Enfin, donner à la protection de l'environnement la place qu'elle doit occuper aujourd'hui dans la dimension économique et sociale de l'action gouvernementale. Enfin, vous le savez comme moi, la première angoisse des Français, c'est le chômage, et c'est naturellement la priorité numéro un du gouvernement. Demain, Madame Edith Cresson et moi, nous rencontrerons pour ce qu'on appelle la passation des pouvoirs. Et je tiens à redire ce que j'ai déjà dit hier devant le groupe socialiste en rendant hommage à l'action de mes quatre prédécesseurs, que Madame Cresson a fait du bon travail et que l'opinion publique n'a pas toujours bien compris la voie dans laquelle elle avait engagé le gouvernement avec courage et ténacité. J'aurai donc l'occasion demain de le lui redire.